Donc, Aguibouéla, notre ami, qui a écrit un pamphlet ici, dont on va discuter. Avant ça, donc, notre ami Gladia va essayer de présenter un peu Aguibou pour ceux qui ne le connaissent pas sous certains angles. Je pense que la plupart le connaissent sous un aspect que nous trouvons ici au plan politique. Ses interventions, etc., sont militantes. Mais il y a d'autres aspects dans lesquels je pense qu'il faut qu'il présente Eko. Donc, si nous paraît lourd, bon, s'il a quelque chose à rajouter là-dessus, on lui donne la parole. Sinon, on va attaquer directement le livre et je vais essayer de manquer la chance de le lire. Donc, donner un peu mon avis dedans au travers de certaines questions en lui demandant effectivement d'y répondre. Et après, bon, la salle pourra poser les questions du mot du quoi, sur la démarche et sur ce livre en lui-même. Donc voilà. Donc tu as la parole mon grand. Là d'accord. Ou bien on va d'abord dire bonjour, on va lui laisser dire le bonjour aux personnes présentes, c'est la moindre des choses. Et de s'excuser de son retard. Toujours égal à la même peine. Oui, c'est vrai. Mes excuses pour le retard. Puisque Benoît, on va faire niquer un plan. Deuxième chose, c'est que j'ai tenu à commencer les débats autour du livre en ce lieu, le DIPI, qui a une signification symbolique pour tous ceux qui ont vécu ici les événements politiques qui ont marqué le Sénégal. Donc, venir ici après tant d'années de présence, d'occupation de cet espace, avec tout le brouhaha qui va avec, c'est peut-être lui rendre un peu justice. Donc, j'avais tenu véritablement à commencer par le DIPI. Et avoir une pensée aussi pour Grand Yaya. Ce serait bien peut-être qu'on observe une minute de silence en sa mémoire, en lui adressant des prières, parce que j'aurais aimé qu'il soit là, mais le Seigneur en a décidé autrement. Mais il est avec nous dans nos pensées, dans nos prières. Donc, je pense qu'on peut commencer par une minute de silence. Voilà. Très bonne suggestion. Écrit pour moi-même parce que il y a de l'automédication dans l'écriture. On arrive à trouver au moins les moments d'apaisement et de détente quand on arrive à mettre du noir sur le blanc ce qui nous tient à cœur et ce qui nous étreint en termes de colère. Donc voilà, ce livre est peut-être à l'image de moi. Si vous l'avez aussi, vous le découvrez, vous verrez que voilà, c'est Aguibou dans comment je pourrais le dire, on va se la couper dans toute sa désinvolture et dans tout son côté anarcho-syndicaliste. Voilà, et on ne change pas. Bon, je me tiens maintenant à ta disposition. Il n'y a pas de problème. Donc, comme on avait dit, il y a Gladia qui va nous présenter un peu le profil de Aguibou depuis le Sénégal, etc., son parcours, pour qu'on essaye de mieux le connaître sur les autres facettes. Que l'une quoi qu'elle me ferait quoi. Donc tu as la parole à Gladia. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Notre assemblée manque un peu de parité. Je vois qu'il y a notre très cher qui est minoritaire. Donc cette présentation que je vais déclamer trace de manière laconique un petit peu la trajectoire d'Aguibou, marquée par son parcours académique.
différentes rencontres qui sont parfois très très marquées selon les personnalités et je vais finir par, par sa dernière initiative avec le sectant Petro Timon. Donc elle pourra éventuellement manquer de fluidité parce que c'est pas moi-même qui l'ai écrit. Donc voilà, c'est en 98, après avoir passé une année à l'UCAD, à la faculté de philosophie, Kabibou décide de poursuivre ses études en France. Il va d'abord décrocher un certificat en hautes études politiques à l'école des hautes études politiques dans le 13e arrondissement de Paris, avant de retourner à l'université Paris 8 pour un DEUG en sociologie. Sa licence, puis une maîtrise en sciences politiques en poche, il commence à travailler. Il intègre le monde professionnel. Alors, son parcours militant. Mais en fait, le virus politique l'avait très tôt piqué. Donc, on ressent tout de suite une précocité dans cette appétence. Il n'avait alors que 8 ans. En effet, c'est à l'UJDAN, Union des Jeunesses Démocratiques, à Gori Ndiaye, encadré par le PID, qu'il fera ses premiers pas en politique. Ce n'était qu'une étape initiale d'un long cheminement dans ce domaine où il acquiert d'année en année et grâce à ses expériences et rencontres de précieux prérequis et solides. Plus tard, à 16 ans, au lycée Blaise Diagne, de la seconde à sa venue en France, Aribou va fréquenter des amis maoïstes pour par la suite militer naturellement à Andy Jeff de l'Andine Savanais, Mamadou Diop de Croix, Bassi Roussard, le professeur Amadou Guiraud et autres figures emblématiques de ce grand parti de gauche. Une formation politique qu'il quittera par la suite, estimant inconcevable que son parti noue une alliance avec Maître Abdoulaye Wade, qui à l'époque avait intégré le gouvernement d'Ali Thiam de 96. Pour la deuxième fois après son emprisonnement en 1994 par le président Diouf, il constatera que les partis de gauche s'étaient effacés au profit de Wade, ce qui était à ses yeux inconvenant et inacceptable. Ses relations avec Mustapha Niass. En 2001, après l'avènement au pouvoir du président Wade, il fait la connaissance durant la campagne électorale de Cheikh Tidiane Niass, qui n'était autre que le fils de Mustapha Niass. Puis Aribou lira la déclaration du 16 juin 1999 de ce dernier. Le texte lui semble un peu plus en phase avec ce qu'il attendait. Comme selon ses mots, acte de rédemption des barons socialistes, il est séduit et il adhère à l'AFP en France. Il se retrouve parmi les animateurs du parti sans pour autant occuper un poste de responsabilité. Se contentant de militer dans le bureau des jeunesses puis dans le bureau politique sans répondre d'aucune autorité. Toutefois, tant c'est lui qui se proposait le plus à rédiger les textes d'orientation et de proposition lors des directions du parti. Ainsi, il a été amené à échanger avec Mustapha Niass, qui a toujours été réactif aux correspondances avec la direction du parti. De là, on a acquis une petite relation épistolaire qui donnera lieu à un rapprochement plus tard à partir de ces débuts. Effectivement. À partir des Assises nationales de 2008. Aribou s'est en effet rendu à Dakar à ses propres frais pour participer aux ateliers de synthèse et de production sur les scénarios de prévision en vue de l'application des conclusions des Assises nationales. À partir de ce moment, une proximité naîtra avec le leader de l'AFP qui va très souvent l'inviter chez lui, l'appeler au téléphone et qui ne manquait jamais de le rencontrer lors de nombreux passages à Paris. Relation avec Amadou Sokou. Il n'y a pas que Mustapha Niass qu'Aliou Diallo a côtoyé. Feu Amadou Sokou, dont le siège du parti était à quelques encablures de sa maison familiale, était un voisin de son quartier Khayal à Dakar. Il l'a connu jeune enfant quand, avec ses amis, il lui filait un coup de main quand sa voiture d'alors, une Lada russe qu'il conduisait tombait en panne.
comme on le dit au Sénégal. Moi, je pensais à une autre anecdote, mais voilà, il y a un rapprochement qu'on fait avec les voitures en panne et affectueusement, nos amis politiques, politiciens et autres, ils parlent là. Ils ont fait pour ces moutards, ils ont fait pour les moutards. Donc voilà, chaque fois qu'il était à Paris, Amad Dansoko l'invitait à dîner, il le recevait alors dans sa cabine, même lorsqu'il était hospitalisé. Ibrahim Hassen, qui vient de nous quitter, faisait aussi partie de ces hommes politiques de gauche qu'il a côtoyé, de même que Sédou Bategueye, qui était son professeur à l'université Cheikh de Dakar. Un homme l'a marqué de par sa disponibilité, sa sociabilité, sa simplicité et son accessibilité, selon Abdou Diallo, ce qui explique d'ailleurs l'hommage qu'il lui a rendu dans son livre dont il est question aujourd'hui, Le désastre sénégalais à l'ombre des décombres. Relation avec le think tank Petro-Timon. En 2011, Abdou Diallo démissionne de l'AFP. Néanmoins, il reste très attaché à la politique, d'où la publication de son essai. Cependant, n'étant plus dans les appareils politiques, il milite désormais pour leur mise à mort, parce que son expérience lui aura démontré que les partis ne sont plus des gages de solution, bien au contraire. Abdou est d'avis qu'ils sont les flammes qui maintiennent la crise et les situations d'impasse que vivent le Sénégal et les Sénégalais. C'est d'ailleurs cette lecture qui l'amènera à publier cet essai politique. Un essai, parce qu'essai est un genre littéraire qui a trait soit à la philosophie, soit à une analyse ou une critique sociale. En plus, l'essai plus conforme à l'esprit militant, le militant qu'il demande. Car Abdou milite dans un secteur dénommé Petro-Timon qui prône la troisième voie. Il avait par ailleurs annoncé sa probable candidature à la prochaine élection présidentielle au Sénégal. Elle serait toujours à l'étude au vu de la situation actuelle confusément présentable. Ce livre, Le désastre sénégalais, à l'ombre des décombres, est une manière pour Abdou de mettre le pied à l'étrier. Rendez-vous est donc pris pour d'autres ouvrages, avec toujours beaucoup plus de rigueur et d'analyse de la situation sociopolitique du Sénégal. Abdou toujours fidèle à sa production. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je pense que en écoutant un peu Dada, on voit un peu le personnage qui dit qu'aujourd'hui, il veut tuer les partis politiques, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Je pense que son livre, beaucoup de gens vont être, comment on appelle ça, très, très choqués, parce qu'il ne nous ménage pas, quoi, en fait. Aussi bien les gens des assises, il nous a massacrés dans tous les sens, il a massacré tout le monde, quoi, en fait. Et pour en arriver, vous verrez, à la solution, pour dire que lui-même, il n'est pas clair dans cette solution, parce que tout le livre qui fait une centaine de pages, ces solutions se résument en une page et demie, ça prouve que ce n'est pas encore clair dans sa tête. Ce qu'il nous propose, voilà le codégué, bon, c'est pas évident. Bon, enfin, on va y arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est sympa quand même dans ce bouquin, ce que j'ai d'abord vu en premier lieu, c'est que on sent que c'est quelqu'un qui est proche de toi par la pensée, par le militantisme, et il ne lâche pas. Ne serait-ce que dans le bouquin, quand on voit par exemple les citations, les hommages à Ahmed, à Semou, à Jean-Pierre Ndiaye, qui montrent si besoin en était un peu le sens du rapport militant très fort qu'il a avec les gens et de la reconnaissance de l'autre. Je pense que ça, on le voit, son vécu, sa manière de faire se voit au travers de ce bouquin là-dessus. Mais Akibou, moi, j'ai lu le livre dans un premier temps et si tu veux tu peux regarder mon smartphone. J'ai utilisé Google au moins une centaine de fois pour la traduction de certains mots. Je ne le cache pas, il y a beaucoup de mots que je ne connaissais pas. À un moment donné j'avais même envie de vous taper tous ces mots là et vous dire allez chercher la traduction ça va être beaucoup plus simple parce qu'il a des envolées quelquefois. Il faut l'accepter, il est comme ça, c'est le personnage. Nous ne croyons plus à moi, mais il va te le dire comme ça. Je prends juste un exemple.
Comment on peut commencer un chapitre en disant la macrocéphalie congénitale et organisationnelle de la praxis? C'est le titre. Parce que, en fait, c'est une histoire de grosses têtes de nos politiques qui veulent, dans une pratique, nous emmener dans le néant. Ils le démontrent. Mais, mais il te dit la macrocéphalie congénitale et organisationnelle de la praxis. Comme quoi, il ne faut pas s'arrêter à ça. J'ai eu le courage, parce que d'abord, j'avais envie de connaître son bouquin. Mais j'essaie de vous donner un peu mon sentiment. Maintenant, pour en revenir, l'introduction est fondamentale dans son livre, en ce qui me concerne. Parce que dans l'introduction, on voit tout le sens de son livre, on voit tout son cheminement, et on voit qu'il est prêt aujourd'hui à assumer que, en fait, il a galéré. Il a galéré dans la politique, d'abord lui-même, dans sa conception, son analyse et autres, il a évolué pas mal. Parce que Bouygues a été référencé dans certains lieux. Moi, en général, au Sénégal, j'entends pas souvent ça des politiques. On voit très bien, donc, il a d'autres sources de réflexion, etc. De par ses citations, de par une formulation. Mais en même temps, on voit que il s'est perdu dans tout son cheminement politique, parce qu'à chaque fois, là où on devait aboutir à quelque chose, on n'y aboutit pas. Et donc, il a cette forme qu'il avait travaillé en lui, à mon avis, et qu'aujourd'hui, c'est arrivé à maturation pour Mungen Neko de façon très, très, très qui, quoi. D'ailleurs, la dernière fois, quand j'en ai discuté avec lui, il m'a dit, mais en fait, mon livre, c'est un condensé de la plupart du temps de mes articles que je faisais dans Facebook. Donc, ça veut dire que c'est tout un cheminement, pas quelque chose pour Amtaïret, quoi. En fait. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que le militant qui ne désespère pas du grand soir, malgré les deux alternatives, comme tu nous dis si bien. Des alternances. Donc ce militant politique, depuis jeune, qui a contracté le virus de ses aînés, ok, aujourd'hui, qu'en est-il lorsqu'il présente la problématique du cheminement en termes de... Ce livre est aussi un prétexte inavouable de restituer à ses maîtres académiques, militants et professionnels, l'unité synthétique du savoir qui lui ont inculqué tout le temps, inculqué tout le temps qu'ils ont fait grâce à leur sagesse. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport déjà à ce militant qui est tombé dans la soupe comme ça, comme un cheveu dans la soupe, et qui en même temps a cheminé pour en arriver à dire que ce livre, en fait, tu voulais le rendre à ces personnes qui t'ont... Non, en fait, c'est... Voilà, c'est, qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste faire valoir le cutis de mon émancipation vis-à-vis de mes maîtres. C'est-à-dire que j'ai parlé à travers votre enseignement, j'ai usé de vos vocabulaires, de vos mots, me voici maintenant, me réapproprier les mots et en faire ce que je veux et leur donner le sens et la direction qui me choisit. C'est-à-dire que c'est une sorte de coupure lumière ombilicale qui me tenait qui me tenait lié à mes maîtres ou à mes références, ou à, aujourd'hui c'est Agib qui parle, non plus à travers la voix de mes maîtres, mais à travers les tréfonds de ce que j'ai dans les tripes. C'est clair. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui justifie d'ailleurs que tu nous rejettes tant plus tard, parce que tu as pris ton indépendance, ton envolée. Mais néanmoins, il y a quelque chose que je ne comprends pas, enfin j'en ai une compréhension, mais j'aurais voulu... Comme expliqué Moko, c'est lorsque tu dis le discours ne saurait faire litière du tamis des valeurs morales et politiques qui caractérisent le sujet lui-même. Et ces valeurs morales, tu l'as définies en trois dimensions, le cognitif, les dynamiques sociales de l'identité et la dimension normative. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais c'est ce qui structure l'homme dans son activité. L'homme n'est pas que se lever, se doucher, dormir, on est... Justement, c'est le troisième point où il y a l'affirmation de soi à partir du condensé de toutes ces valeurs-là. D'accord. Comme quoi, tu vois que c'était pas trop simple, il fallait qu'on te demande des explications. Je suis là pour y répondre. Exactement. Et puis franchement, Ayou, c'est quoi cette relation avec Joseph Schumpeter que tu nous bombardes sur le capitalisme? Mais quelle forme de capitalisme on a au Sénégal?
quand lui il parle d'un capitalisme destructeur qui régénère le capitalisme, mais il n'a pas existé chez nous. Quelle relation? J'ai dit pour illustrer mon propos. Oui, vas-y. Pour illustrer mon propos, c'est-à-dire le système des alternances que nous avons au Sénégal. À chaque alternance, nous est chanté la rupture, qu'on part à zéro et qu'on fait tabula rasa de ce qui existait. Mais au contraire, on voit que les alternances n'ont fait que consolider le système qu'ils prétendaient combattre. Et donc, j'ai dit, à l'image de Schumpeter, qui est un spécialiste de la critique marxienne du capitalisme, il dit, en fait, ce qui distingue le capitalisme des autres systèmes, c'est sa capacité à dépasser ses tendances autodestructrices. Parce que nous, on dit qu'on veut changer les choses, donc changer ce tabula rasa, partir sur de nouvelles bases, mais en vérité, on ne fait que superposer quelque chose de mauvais sur quelque chose antérieurement qui était pire ou qui était peut-être moins bon. Et donc, je fais le parallélisme où je prends exemple de l'analyse que Schumpeter fait du fait que le capitalisme, malgré tous les prophètes qui avaient annoncé sa mort, à commencer par Marx, n'a fait que survivre et dépasser toutes les crises auxquelles il a été confronté et s'est même renforcé à partir de ces crises-là. Et donc, je dis, ces alternances-là, au lieu de mettre un terme au système que ces auteurs semblaient pourfendre et combattre, mais bien au contraire, une fois que l'alternance est établie, ils n'ont fait que consolider et renforcer ce système qu'ils prétendent les combattre. Et donc, le parallélisme est justifié du point de vue métaphysique. Ce que nous avons, en fait. Exactement. On garde bon. Pas pour les autres, parce que le contexte de ces morts est assez différent, dans le sens où nous venions d'accéder aux indépendances, nos États étaient plus ou moins fragiles, et que pour consolider d'une certaine manière la structure de l'État, il fallait quand même d'une certaine manière avoir une main forte, même s'il fallait l'envelopper dans un grand volume. Mais ces pratiques-là, autant je le trouve une justification compte tenu du contexte post-indépendance, elle n'avait pas à perdurer à partir du moment où le dialogue politique avait réussi quand même à achever vers l'éclatement du multipartisme et un renforcement, on va dire, du système électoral et démocratique qui consacrait la dévolution du pouvoir. Mais l'État en lui-même est piloté de la même manière qu'il était piloté en 1960. C'est-à-dire que le parti majoritaire qui a prise sur le pouvoir, mais a tout le loisir de cornaquer l'administration centrale, de politiser les hauts fonctionnaires, de vaquer comme bon lui semble, sans tenir compte de l'aspect unitaire et républicain dont l'administration est la cheville ouvrière en matière de politique gouvernementale. Donc c'est ça que j'ai voulu souligner. Que ceux-là qui nous disent qu'ils vont faire de l'État, comment je pourrais dire, un bien public qui met tous les citoyens à égalité, en fait, ne l'est pas du tout. Quand on est militant du parti au pouvoir, on a quand même beaucoup plus d'avantages à être associé dans le processus décisionnel et à fortiori dans la gouvernance que quand on est citoyen avec tous les mérites qu'on peut faire valoir, tu vas avec tout le background intellectuel ou académique dont on peut se prévaloir. Tu vas plus loin dans les autres chapitres, c'est-à-dire que tu nous renvoies souvent à l'expérience en Amérique latine. Mais en fait, dans ton analyse, tu dis même que le fait d'avoir hérité un système colonial sans avoir fait de rupture, on fait que toutes les solutions qu'on pouvait avoir ne pouvaient être que des solutions qu'on transposait dans une nouvelle forme de soi-disant d'indépendance. Parce que quant au fond, tu nous reproches de n'avoir pas fait une rupture cinglante comme les Chavez ou autres, etc., que tu as cité en longueur sur plusieurs chapitres, l'expérience de Kadhafi, l'expérience... En fait, à un moment donné, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Tu attendais quoi de nos politiques? C'est-à-dire cette forme transitoire
qu'on a pris... En fait, sur l'Amérique latine, j'ai dit qu'en fait, nous avons pratiquement une trajectoire similaire. À partir du commerce triangulaire, nos destins ont été plus ou moins imbriqués et évolués en parallèle. Ils ont connu l'occupation coloniale, comme les Africains. Ils ont connu l'acculturation, ils ont connu la domination extérieure, ils ont connu la spoliation. Et... Mais ce qui distingue un peu l'Amérique latine de nous, c'est qu'au moins eux, ils ont réussi quand même à garder un certain mythe constructeur. Dans le sens où l'entend l'historien américain Ernst Kantorowicz dit que d'un point de vue anthropologique, les sociétés marchent pour être solides sur leurs pieds, ont besoin d'un trépied, l'imaginaire, le symbolique, et le dernier c'est quoi encore, l'imaginaire, le symbolique, et le cognitif. Non, c'est pas ça. Non. Il y a l'imaginaire, tout ce qui est sacré, c'est-à-dire croyance des gens, symbolisme des rites et tout ça. Donc, de ce point de vue, nous avons une certaine similarité avec l'Amérique latine. Sauf que l'Amérique latine a pris son émancipation par rapport à ses ex-colonies du fait, c'est vrai, de la Pax Romana à partir de Woodrow Wilson, le président américain des États-Unis fraîchement indépendant, qui avait d'une certaine manière prolongé la guerre de libération dans les zones occupées par les Espagnols et les Européens de manière générale. Donc, et s'en est suivi la période Bolivar, Simón Bolívar, qui est vénézuélien, mais qui a donné son nom à la Bolivie. Parce que Bolivie vient du nom de Simón Bolívar. Mais c'était un Vénézuélien qui a porté la révolution sud-américaine à bout de bras, qui a libéré le Venezuela, la Bolivie, contribué à la libération du Mexique, et donc qui, d'une certaine manière, a marqué le peuple sud-américain et qui a un peu incrusté dans leur façon de faire et dans leur combat anticolonialiste le même idéal révolutionnaire et indépendant, d'indépendance vis-à-vis de l'Occident. Ce qui, nous, n'a pas été notre cas, puisque nous avons une indépendance qui a été d'une certaine manière donnée sur papier. Hein. Nous n'avons pas lutté pour acquérir nos indépendances. Le seul pays en Afrique qui se soit battu et qui a acquis son indépendance, c'est l'Algérie. Tout le reste, nous avons négocié. Il faut dire qu'il y a des gens qui ont, voilà, qui ont bataillé, mais sur le plan des idées, peut-être sur le plan du débat politique, à proprement parler. Et donc, nous n'avons pas pu nous affranchir de l'ancienne colonie. Et c'est ce qui fait que, justement, nous sommes engloutis dans une éternelle répétition. Alors que les Sud-Américains, une fois qu'ils sont sortis, c'est vrai, des Européens, ils ont été sous la coupe réglée des États-Unis. On sait combien les Américains, pays sud-américains, notamment au plus fort de la guerre froide, Salvador Allende, et même Chavez est mort du fait de la violence américaine. Mais quand même, c'est survenu dans un combat en vue de l'émancipation. C'est-à-dire que le dictat du capitalisme américain et européocentré de manière générale ne va pas s'imposer dans leur manière de concevoir, d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques publiques destinées à leur population. Et c'est ce que Chavez a réussi tant bien que mal. On peut y trouver beaucoup de choses à lui reprocher, mais tout de même, faire sortir 23 millions de gens de la pauvreté et de l'ignorance, ce n'est pas rien. Tu me dis que c'est une bande de coalition hétéroclite composée de trotskistes, de marxistes-léninistes, de sociaux-démocrates et de libéraux reconvertis ou affranchis, de religieux politiciens. Tu me dis que le travail des associations est finalement devenu l'otage d'un clan de politiciens bourgeois largués et à bout de souffle. Oui. Que c'est une dimension manœuvrière. Mais c'est grave. Mais c'est vrai. Ben vas-y. Ben, il était ici. Dans quel contexte les assises nationales sont survenues? Les assises nationales, on va dire, sont consécutives au boycott des élections législatives de 2007 de la part de la partie significative de l'opposition, au prétexte que Ablaouad avait volé les élections.
Et que donc, il y avait un contingent électoral qui n'avait pas été soldé à la suite de la présidentielle. Bon, bigarré, certainement, perdu dans les dédales de leur réflexion inaboutissant, l'opposition a décidé finalement de prendre l'angle avec une partie de la société civile pour essayer de porter des réflexions sur la gouvernance de Ouagadougou, il faut le rappeler. Quand ils sont allés voir le patronat, les responsables syndicaux et toute la société civile de manière générale, pour discuter de la situation ou de l'état du pays, compte tenu de la gouvernance de Ouagadougou qui était jugée en son temps trop, on va dire nulle. C'est ça, c'était le sentiment des socialistes. Donc on leur a dit, mais au lieu de réfléchir sur la gouvernance de Ouagadougou, il faut partir des indépendances à aujourd'hui. Et c'est en ce moment-là que les termes de référence ont été fixés. Et donc on a fixé le cadrage dans lequel le travail réflexif devait être mené. Ce qui a été fait quand même bon an mal an, où toutes les bonnes volontés du pays se sont retrouvées, se sont liguées ensemble pour un instant de lucidité nationale. Les gens ont mis de côté toutes les rancœurs. C'était pour la première fois que tu t'asseyais avec les socialistes. C'est ça. Tout secteur que tu fus. Lui, il a aidé Maurice d'abord. Oui, mais bon, je me rappelle des échanges de que tu as eu avec Maguette Losso. On n'arrivait pas à commencer une réunion parce que tu lançais des salves en direction des socialistes. Et voilà. Donc, les souvenirs restent frais dans ma mémoire. Et on a quand même, pour la première fois, fait un travail de conception programmatique en matière de gouvernance qui n'est pas l'émanation du sommet, mais au contraire, qui a été cuisiné à partir du bas. C'est nous tous qui avons mis à contribution nos idées, nos propositions par rapport à l'idée que nous nous faisons du Sénégal pour un horizon bien déterminé, en tenant compte justement du passif des gouvernances et peut-être des quelques actifs dont on pourrait se glorifier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je m'attendais à ce que, une fois que les assises adoptées signées de tous, que tous les partis politiques signataires des assises mais se fondent en une seule organisation. Et ça, c'est une question que Serine Mansoussi Diamil avait posée quand on s'était retrouvé au séminaire de synthèse à Sali. Quand les 35 départements, les 45 départements, et de la diaspora s'étaient retrouvés à Sali, chacun avec chaque département ou chaque délégation avec son rapport. Parce que moi et Mansour Gué et moi, nous avions amené le rapport de France. CDC, un certain CDCC avait amené le rapport de ceux des États-Unis. Il y avait des gens de la diaspora, on s'est retrouvés à Sali. On a fait la synthèse pour que ça aboutisse sur le rapport général qui est dit conclusion des assises nationales. Et tous les volets en matière qui concernent la gouvernance ont été traités. Il n'y a pas un seul volet qui ait été laissé en rade. Du sport à la petite enfance en passant par les personnes âgées. Donc, les questions écologiques, les questions de poubelles. Toutes ces questions-là ont été. Les poubelles, les sacs. Toutes les questions ont été traitées. Donc, il ne restait plus qu'à mettre en œuvre. C'est-à-dire que c'est comme disait Marx dans la 11e théorie de Feuerbach, les philosophes n'ont jusqu'ici qu'interprété le monde différemment. Il s'agit maintenant de le transformer. Il fallait transformer le Sénégal. Et pour ce faire, il y a un inconscient que les gens, ou bien une sorte d'impensé qui bloquait la classe politique. C'est-à-dire qu'ils ont convenu que tout seul, ils ne peuvent pas concevoir les solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, et il faut la contribution du plus grand nombre. Mais c'est ce plus grand nombre qu'il faut consolider aussi et garder dans le cadre de la matérialisation, de la mise en œuvre de cette conception. Mais une fois que les assises sont terminées, les gens ont signé, chacun a signé la charte de bonne gouvernance, mais les vieilles pratiques ont ressurgi tout de suite.
Moustapha Niass et Tanor ont gardé la rancune du Congrès en débat de 96 au point de fouler au pied l'avenir de ce rapport-là. Et c'est ce qui a fait que Macky Sall a pu ramasser le pouvoir comme ça à la petite cuillère, parce que les gens n'ont pas opéré leur propre mue. Ils n'ont pas su faire montre de rédemption par rapport à la responsabilité historique compte tenu de la situation que le pays vivait et par rapport justement aux exigences de l'heure et les attentes qui étaient nombreuses qui leur étaient adressées pour qu'ils se réforment et pour que à partir de leur propre réforme on puisse réformer le pays. Voilà, c'est pour ça que je suis resté sur ma fin par rapport à cette continuer parce qu'on a après que tu aies dit autant de bien sur Hamad, sur ceci, cela. Mais quelle a été leur responsabilité? Mais je les mets tous dans le même paquet. Y compris mes propres formateurs. C'est-à-dire que... In fine, les comptables de ce bilan ayant été partis. Se mettre au service de la communauté. Mais je reste sur ma faim. Et c'est parce que je reste sur ma faim que j'ai une amertume. Et c'est parce que j'ai une amertume que je ne peux pas être tendre, y compris vis-à-vis des miens. Voilà. D'accord. Mais de là, quand même, à tomber sur un excès. Je pense qu'à un moment donné, tu as dit que dans une de tes phrases, très intéressante d'ailleurs, tu disais il faut éviter les excès, c'est trop facile, parce qu'on ne règle pas les problèmes comme ça. Mais je crois que quand même, quand tu viens dire aujourd'hui que l'arbre de la démocratie doit être au besoin, ou si cela s'avère nécessaire, arroser de sang des patriotes et des traîtres. Mais ça, c'est fort. Non, oui, mais c'est pas une formule de moi. C'est Thomas Jefferson. Thomas Jefferson qui l'a dit, et Thomas Jefferson, excuse-moi du peu, c'est celui qui est la référence aujourd'hui dans la littérature démocratique. C'est le père des indépendances des États-Unis. C'est celui qui a lu la déclaration des droits de l'homme dans le City Hall à Philadelphie quand les États-Unis ont déclaré leur indépendance par rapport à la couronne anglaise. Et c'est lui-même qui a dit d'être arrosé du sang des traîtres et des patriotes. Et démontrant le mouvement en marchant, il a buté son aide de camp dont il soupçonnait être en connivence avec les Anglais dans la cour de la Maison Blanche. Ça, c'est une histoire que les gens... Bon, merci. Mais quand même, tu dis dans cette optique, proposer le chaos généralisé comme solution finale sera le point d'orgue à partir duquel la refondation du système politique se fera jour. Oui. Ça aussi, c'est très fort. Oui. Tu as des phrases qui choquent, on ne peut pas passer au travers. On est obligé de les souligner et de dire non, mais attends, il faut qu'il m'explique. Qu'est-ce que tu veux réellement pour le pays aujourd'hui? Parce que, bon, autant le titre du livre, Le désastre sénégalais, etc., à l'ombre des décombres, on voit très bien où tu veux en venir. Mais pour en arriver là, qu'est-ce que tu nous proposes réellement? Parce que ce chaos, il va être génératrice de quoi? Générateur de quoi? Tu nous dis que c'est à partir de ce chaos qu'on peut construire. Tu as lu Bakounine. Il faut tout brûler. Il faut tout brûler et peut-être que des plantes qui vont germer de ces cendres germera une belle forêt avec eux. Bon, j'ai oublié comment il l'avait dit dans le livre, mais c'est en vérité ça. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où on ne fait que colmater des brèches, où on fait du tafiengle, où on essaie d'ajuster à la marge, où on essaie de repousser en fait l'échéance de notre propre déchéance. Mais parce que ce système-là... nouveau temps rêvé n'est-il pas utopique? Mais il faut de l'utopie. Même les idéologies s'appuient sur de l'utopie déjà pour bâtir le bas scientifique. Ouais. Donc la vie sans utopie ne peut pas être... On va essayer d'avancer. Mais ce que je veux dire par rapport à ce chaos-là, c'est peut-être... une figure de style pour... Mais en vérité, c'est qu'il faut une tabula rasa. Nous ne pouvons pas éperdument continuer par un système de démocratie. Il faut une démocratie, mais réelle, au vrai sens. Pas parlementariste. Peu importe, mais il faut qu'il y ait un consensus sur une fois que tu as posé ce chaos, qui prend en compte le plus grand nombre.
une fois que tu as posé ce chaos, bon, on a bien vu où tu es venu, tu es parti de loin, etc. Pour en arriver aujourd'hui, il faut le chaos, etc. Tu t'es posé, c'est normal. Mais nous vivons le chaos. Oui, d'accord. Pour nous, les pauvres. Mais oui, mais la manière dont tu le décris, quand même, est une manière très violente pour nous autres Sénégalais que nous n'avons pas la peine de voir l'instant. Mais il y a une violence. Non, mais attends, oui. Il faut que tu comprennes, Aguibou. Et je vous défie de me contredire quand vous le lirez. Il y a une violence dans ce bouquin qui est énorme, hein, et il faut le souligner. Peut-être que tu n'en as pas conscience parce que tu es arrivé à un niveau où pour toi c'est ça, mais nous on est encore largués par rapport à ce chemin à parcourir. Donc c'est pourquoi on sent cette violence comme une gifle qui vient, boum. Et pour continuer, je dis, tu t'es posé la problématique de quel militant pour répondre maintenant aujourd'hui. Quel type de militant? Tu t'es posé cette question. Mais sentier-là, il est là, comme tu dis. Avec quel militant tu vas faire ça? Mais je peux envisager idéalement le type de militant qu'il faut. Mais qui suis-je pour le dire, au fond? Si, ce que je veux dire par là, tout ce que j'ai dit n'engage que moi, au fond. Et c'est à moi et à moi seul d'en répondre. J'ai soldé les comptes avec ceux qui m'ont happé un peu dans ma petite enfance et me... J'étais comme ça, un cheveu dans la soupe, dans un milieu auquel je ne connaissais rien, auquel je n'étais pas initié. Parce que, bon, j'ai eu deux grands frères, j'en rends hommage grand Hag, c'est lui qui m'a élevé en fait. Mais son grand frère, en fait, qui est décédé, qui est son âme, nous a, malgré nous, familiarisé aux œuvres de Marx. C'était un marxiste. D'ailleurs, parce que quand on était enfant, quand Senghor passait à l'avenue Lamine Gueye, il sortait ses... Nous sommes des morts de faim. C'est un grand qui est un héros pour nous. Bon, je ne l'ai pas trop bien connu, mais l'aîné de ma famille a quand même subi beaucoup de son influence. Et quand il est décédé, tous ses livres ont été convoyés chez nous. Comme j'avais un... Je fais une petite parenthèse pour dire en fait comment, par quel chemin je suis arrivé à... Comme j'avais un daron qui était un peu très rigide, si c'est pas l'école, c'est l'Alcorane. Mais sinon, il n'y a pas de football, quoi. Et la maison était fermée, mais moi, j'étais un peu filou. J'arrivais un peu à déjouer son attention et aller me retrouver dans la rue à jouer. Mamangaï, qui était responsable des jeunesses paysannes, nous a recrutés et a fait de nous des pionniers. Et on nous faisait... réciter le manifeste du Parti communiste en Wolof, alors qu'on ne comprenait rien de ce que ça... Mais c'était bien pour les enfants, quoi. Et après, quand on voyait les Semou, Samba Diouf de Thiam en pleine réunion, en train de discuter dans une langue qui nous était étrangère, on était fascinés. On voulait être comme ces gens-là. On voulait leur ressembler, parce que pour nous... Ils avaient des modèles de projection. Exactement. mais après, en grandissant, on prend un peu de recul et puis on apprend à apprivoiser tout ça et à relativiser, à dire qu'en fait ce n'est que de la mystification au fond. Au fond. Et donc, pour répondre maintenant à ta question, quel type de militant, c'est compliqué aujourd'hui de dresser un portrait robot du militant qu'il faut, parce que nous sommes arrivés à un point de bascule où entre la manipulation et la vérité, on a du mal à distinguer la bonne graine des livres. La formation idéologique ne fait plus, ne séduit plus. Hein. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans ce que Karl Marx conjurait dans l'idéologie allemande en parlant de la formation des élites, la General Intellect, où on a des gens qui sont formés à un niveau Bac plus 5, Bac plus 10, mais qui sont dépouillés comme des contre-maîtres dans la fabrique du capitalisme. Ils sont là pour la productivité, pour la productivité, pour la productivité et pour le profit. Et c'est tout ce qui les intéresse. Par ailleurs, quel que soit le niveau de diplôme qu'ils ont. Donc, dans un contexte pareil, dire qu'il faut des militants de cet acabit ou qui ressemblent à tel ou tel me semble très difficile. Mais en ce qui me concerne, moi, je milite pour, en tout cas, la mort du capitalisme. Pour moi, tant que le capitalisme existera, le monde ne connaîtra pas sa véritable paix. Et donc, ça, mais là, tu ne me surprends pas, mais là, par contre, franchement, là, tu me surprends. Aguibou, c'est quoi cette idée-là de... D'origine. Né et grandi au Sénégal. Ouais.
même si je suis follement dingue du Sénégal, ouais. Ça, c'est pas une question qui se pose. Mais comment ne pourrais-je pas être panafricaniste? Moi, je suis d'origine marocaine, mon père, et je ne suis pas panafricaniste, et alors? Non, vous nous avez conviés à une rencontre de grands écarts. C'est pas une question d'origine familiale. Bravo à l'étranger qui est à droite. Comme ça, je solde les comptes dès le début. Et vive le Sénégal qui vous a accueilli et qui a fait de vous des patriotes. Je suis vraiment très, très, très frustré parce que je n'ai pas eu la chance de lire le livre de Aguibou. C'est quelqu'un que j'apprécie humainement, que j'apprécie intellectuellement. Et je crois que, de manière intuitive, l'objet de son livre, aujourd'hui, c'est de faire bouger les lignes. C'est en fait de faire en sorte que la politique soit un terrain où des gens discutent d'idées. Que ça soit un environnement où les gens réfléchissent. Parce que c'est tout différent. Des animaux, c'est l'intellect. Et aujourd'hui, quand on parle de la classe politique, je ne sais pas qui fait partie de la classe politique, parce que nous avons une espèce de faune politique qui peut aller de quelqu'un qui a un parcours militant extrêmement brillant à Fardangom. Est-ce que dans ce débat-là, Fardangom a une place? Quand on se rend compte aujourd'hui que la stratégie parlementaire du régime qui dirige ce pays a été confiée à Fardangom. Donc il y a vraiment matière à réflexion. Autant les gens disent que de 1960 à maintenant, il n'y a pas eu de rupture, si, il y a eu une rupture. La rupture, c'est 2000. Mais ce n'est pas la rupture au sens du progrès. Progrès peut-être d'un point de vue économique, etc., mais ça c'est pas le sujet. Mais au sens du progrès définitif. Quand je parle de progrès définitif, je parle de deux éléments qui sont des éléments structurels, sans lesquels rien n'est possible de manière durable. Il s'agit de l'État et de la nation. La ligne de fracture en 2000 s'est opérée aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau de la nation. Au niveau de l'État, il y a eu un processus d'agencialisation de l'État où on a sorti des ministères l'ensemble des structures qui géraient les budgets, on les a mis dehors et on a confié ça à des militants, pas à des techniciens, pas à des patriotes. À des agences. Ensuite, je rajouterai qu'avant 2000, il y avait des fonctionnaires qui ne pouvaient pas faire de la politique. Maintenant, si tu veux avancer, même en tant que fonctionnaire, tu es obligé d'avoir la carte du parti qui dirige. Et je rappelle aussi que l'autre pendant, c'est la nation. La nation, elle est essentielle. S'il n'y a pas de nation, rien de définitif n'est possible. C'est à partir de 2000 que les gens ont commencé à se poser une question qui fracture la nation. Quand on nommait quelqu'un à un poste, les gens se demandaient à quelle religion, à quelle confrérie il appartenait. À partir de 2012, s'y est rajouté autre chose, à quelle ethnie appartient celui qui a été nommé. Je dis dans le subconscient des gens, ça ne veut pas dire que ces dimensions confrériques et ethniques ont été les sèves des deux régimes qui se sont poursuivis, mais dans l'inconscient collectif, à chaque fois qu'il y a un conseil des ministres, quand il y a des nominations, les gens lisent les noms de famille. Alors, un Diop peut être un Alpoulard, un Diaï peut être un Alpoulard. Nous avons d'ailleurs un Diaï qui ne serait pas le Diola, mais qui est le seul Wolof de la classe. Donc voilà, moi je pense que ces deux éléments-là sont extrêmement importants.
Et quand les gens parlent de bilan, on nous parle de route, de points, etc. Et ils oublient le bilan immatériel. Et c'est ce bilan immatériel qui est structurant et qui fonde tout ce qui est définitif. S'il n'y a pas d'État, s'il n'y a pas de nation, vous pouvez faire tous les investissements que vous voulez, ce sont des châteaux de sable. La preuve, les infrastructures qu'il y avait en Libye, les infrastructures qu'il y avait en Syrie, les infrastructures qu'il y avait en Irak, le Sénégal n'a pas 10% de ces infrastructures. Aujourd'hui, ce sont des vastes champs de ruines. Parce qu'il n'y avait ni d'État, ni de nation. Je crois que ces éléments-là, il faut que les intellectuels prennent du recul et arrêtent de manière tout à fait bête de se lancer dans une espèce de normes quantitatives. Il y a eu tant de kilomètres de route, tant de kilomètres de marché. Oui, mais une population qui évolue avec une démographie galopante, tout naturellement crée des infrastructures. C'est normal. Ensuite, il y a dans ces ruptures-là quelque chose qu'on a découvert. Le vol ne date pas de 2000. Des gens détournaient de l'argent, mais pas de manière aussi industrielle. C'est à partir de 2000 qu'on a retrouvé des fonctionnaires milliardaires. On ne peut pas être milliardaire, on ne peut pas être riche en étant fonctionnaire. C'est impossible. Il est impossible, je ne parle même pas d'être milliardaire, il est impossible d'être fonctionnaire et d'être riche. Ce n'est pas possible. Et ces éléments-là doivent être pris en compte dans la réflexion que nous avons par rapport à la rupture future que je souhaiterais être une rupture de progrès. Et en parlant de rupture de progrès, je reviens vers les assises nationales. Les assises nationales sont un moment historique extrêmement important parce que ce sont des filles et des fils du pays qui se sont retrouvés pour partager autour de sujets qui intéressent la vie de la nation, la vie du pays et de son avenir. Et il y a eu cette espèce de dynamique de haut en bas, d'en bas en haut, où en fait, ça n'a pas été un débat entre intellectuels, mais les gens de la base prenaient position aussi, les pêcheurs, les agriculteurs, etc. Et l'échec qu'on a eu à partir de 2012, c'est qu'en fait, on espérait qu'à la fin du régime de Watt, nous entrions dans un nouvel ère qui est l'ère des assises naturelles, quelles que soient après les formes qu'on peut y rajouter. Et la déception a été très grande. D'abord, par comment les assises nationales ont géré l'alternance en 2012. On parle de vieilles rancunes entre Mustapha Niass et Ousmane Tamandjian, paix à son âme. Mais aussi, il y a les vieilles pratiques des partis de gauche que nous connaissons très bien, pour y avoir milité pendant de longues années. En un moment, ils ont voulu, quelque part, par réflexe, refaire le jeu, ça veut dire recombattre l'ennemi historique qui est le PS. Et pour la première fois, ils se sont livrés à un choix basé sur des élections où on comptait le nombre de voix pour savoir qui devait être le candidat de Benno Siki Sarega. Alors que la dynamique a toujours été de discuter, de trouver des consensus dynamiques et de trancher. À partir du moment où tu fais voter quelqu'un qui est à la tête d'un parti où il y a des dizaines de milliers de militants, avec quelqu'un qui a une petite association lilliputienne où il y a 10 personnes, ces gens ne peuvent pas avoir les mêmes voix. Donc je crois qu'ils ont trahi, nous avons collectivement trahi l'esprit des assises nationales pour faire quelque chose qui a été un drame. Et c'est ce drame-là que nous sommes en train de vivre de 2012 à aujourd'hui. Merci Mike. Voilà, bon, je... Ouais, parce que... Voilà, bon. Oui, vas-y. En fait, moi, je voulais revenir sur le livre en soulignant quelques contradictions. Voilà. Pour moi, en fait, pour moi, le livre, je l'ai lu quand j'ai reçu l'invitation. Et pour moi, il y a une contradiction quand, quelque part, l'auteur nous dit qu'il faut un chaos, il n'y a plus d'espoir.
Et à la fin de son livre, il chute en proposant un mandat de transition des États généraux. Les États généraux qui, d'ailleurs, sont la même chose que les assises nationales. Donc, on tape sur les assises nationales pour proposer des États généraux. Qu'est-ce que ça veut dire, les États généraux? Quelle serait la différence essentielle entre ces États généraux proposés et ce qui a eu lieu durant les assises? On peut critiquer ce qui a été fait des assises. Pour moi, l'essence des assises était une réussite. Après, ce sont les politiques qui ont déraillé l'objectif de cette initiative, comme d'habitude. Une autre contradiction, l'auteur dans ce livre critique la gauche telle qu'elle a été déployée au Sénégal, en nous disant que ça a été déployé avec une vision eurocentrée. On le concède. Mais quelque part, quand on lit son œuvre aussi entièrement, on se rend compte que plusieurs de ces envolées sont d'inspiration aussi eurocentrée ou américaine. Thomas Jefferson, Chavez, etc. Donc, si on revenait à nos propres valeurs, moi, le discours qui consiste à appeler au chaos ou à la violence est une chose que je dis qu'il faut récuser. Le discours, je ne parle même pas de son implémentation. Parce que, comme quand Ben l'a interpellé dessus, il est allé chercher Thomas Jefferson. Avec, nous n'avons pas les mêmes réalités, ni les mêmes valeurs avec Jefferson. Donc pour moi, et je pense que cette contradiction est légitime, parce que quelque part, l'auteur lui-même ne souhaite pas ce chaos auquel il appelle. Donc, pour moi, en fait, il faut donc éviter l'échelonnement qui consiste à dire j'ai milité, j'ai essayé, ça n'a pas abouti, donc foutons le bordel. C'est défaitiste. On ne va pas y arriver en une génération, deux générations. Tu parles du Sénégal de Saint-Maur à Macky Sall, 60 ans d'existence. Donc, il est hors de question de capituler et d'appeler à détruire le pont qui a été construit jusque-là. Et la dernière contradiction que je voulais relever, c'est par rapport maintenant à ce qui est théorisé et ce qui est pratiqué. C'est-à-dire, l'auteur, moi je l'ai vu militer pour une coalition dans laquelle il y avait le PS, le PDS. Donc les mêmes acteurs qui fichissent, ils les ont. Les conclusions de ces réflexions, quel que soit le temps que cela prendrait. Merci. Merci, Bas. Entre monsieur et madame. Il n'y a pas de dichotomie possible. En fait, moi, avant de revenir sur la question de Jadi Bou, je suis Mimo Diali, je suis ministre écrivain en Afrique. Avant de venir sur le cas d'Agibou, qui m'intéresse quand même, je vais d'abord revenir sur les deux points de vue sur lesquels vient de chuter justement Malik Youm et également mon frère qui est assis à mes côtés. Quand j'entends Malik Youm nous dire que la rupture est venue au Sénégal en 2000, franchement, j'ai sauté de là où je suis assis. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un mot que je déteste le plus entendre de la part des politiciens ou en tout cas des éveillés de conscience. C'est le mot national, assise nationale, réconciliation nationale, gouvernement d'union nationale. Et ces mots, c'est des mots qu'on entend le plus souvent dans des pays où règne le chaos, où règne la guerre, la corruption est presque de toutes les bêtises humaines. Donc moi, quand j'ai vu qu'Agibou, justement, en a parlé, justement, il récusait ces assises nationales, j'étais super content parce que tout à l'heure, vous avez parlé de Thomas Jefferson, évidemment. C'est Thomas Jefferson qui a conçu les États-Unis. À côté de Thomas Jefferson, on a également Alexandre, Hamilton, qui a fait au jour d'aujourd'hui qu'aux États-Unis, on ne va jamais arriver à ce chaos, le fait de choisir des présidents, parce qu'il a su créer ses filtres nationaux en créant un scrutin indirect. Donc ça, c'est un filtre qui a permis justement d'éviter de ramener au niveau des États-Unis, au niveau de la présidence des États-Unis, des contre des cons. Il y a juste Donald Trump qui a réussi quand même à échapper à ces filtres-là. Donc ça, c'est un point de vue sur lequel... C'était un con, hein. Voilà, donc, c'était un vendeur de cravates. Henri Truman. Exactement. Donc ça veut dire que... Pourtant, c'est lui qui a largué la bombe à lui. Donc sur ce point de vue-là, prendre des modèles qui existent dans d'autres pays et essayer quand même de les détropicaliser dans nos pays, il faudra le faire si tel est le cas. Évidemment, chacun d'entre nous a une histoire, une origine. Notre pays repose sur un socle identitaire qui lui est propre. Mais ça ne veut pas dire justement qu'il faudra justement seulement se baser exclusivement sur notre identité nationale. Parce que n'oublions pas aussi, il y a d'autres pays qui ont des identités que l'on pourra justement copier à la façon qu'il faudrait le faire pour essayer quand même d'instaurer cet état de fait. Et ça, c'est un deuxième mot. Par rapport à ce qu'Abibou vient de dire
en réponse justement à la question que vient de l'interpeller mon frère Ibrahim par rapport au Mali, moi je pense qu'aujourd'hui il faudra être conséquent parce que Kadhafi n'a pas été tué parce que justement il a refusé à ce qu'il y ait des gazoducs qui soient construits. Non, Kadhafi a été tué tout simplement parce qu'il y avait ce projet de construction d'Union africaine avec sur la table 30 milliards de dollars. Dollars américains pour pouvoir construire l'Union africaine. Donc le problème du Mali, c'est un autre problème. Bon, je ne vais pas essayer d'être argumenté sur ce point de vue-là. Bref, et le dernier point sur lequel je voudrais vraiment revenir, c'est par rapport à ce qu'a dit Adibou qui me semble être intéressant. Parce que quand on dit dans un pays, ou en tout cas dans le rôle d'un intellectuel, c'est ce qu'avait dit justement Martin Kounizmen, Emmanuel Kant à son professeur Martin Kounizmen, que vous ne nous avez pas fait des perroquets, mais les gens passent par nous-mêmes. Ça veut dire qu'à un moment donné aussi, quand on est intellectuel, il faudra avoir cet esprit-là, de se départir de ceux qui nous ont formés, et quand même de bien sûr, une production intellectuelle, c'est quelque chose de beau. Donc, je vais suivre sur ça. Adibou, bienvenue dans le club des écrivains. Et je pense qu'évidemment que ce livre va nous permettre quand même de participer à cet éveil de conscience. Ce bémol, comme Belle l'a dit, moi, quand je dois lire Adibou, justement, c'est cette peur d'affronter des mots qui sont extrêmement compliqués à mon entendement. L'objectif d'un livre, justement, c'est de ne pas, c'est pas forcément quand même d'utiliser des mots où chaque instant l'écrivain, ou en tout cas le lecteur, sera obligé de se plonger dans un dictionnaire ou sur Google pour essayer de comprendre ce que l'auteur veut dire. Donc la simplicité étant là, j'aurais quand même voulu à Adibou puisse utiliser le français très très accessible à tout le monde pour qu'on puisse en profiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup.